film that got taken and put away. Albert Brenick prend des photos lors du dernier jour d'Amelia Earhart en Californie le 20 mai 1937. Son avion, un Lockheed Electra, a été réparé après son crash à Hawaï et est désormais prêt à décoller. On voit son avion, ses mécaniciens, Albert, Amelia et son navigateur, Fred Noonan. C'est lui qu'on voit en premier dans le film, qui se dirige vers l'avion. Elle est rayonnante, heureuse, elle a hâte de s'envoler. Ils sont prêts à partir pour un tour du monde qui aurait dû avoir lieu 2 mois auparavant. C'est une pièce historique remarquable qui montre Amelia en train de jouer avec la caméra. Elle imagine son public, elle s'amuse avant le départ. Le livre et le film sont importants car ils révèlent les changements faits par la suite sur l'avion. À Miami, mais aussi plus tard, ces radios ont été modifiées, une fenêtre a été modifiée, et des éléments de l'avion ont été changés. Et cela a eu un effet sur le fait qu'elle n'a pas réussi à trouver à Holland Island en juillet 1937.